Il y a un an à peine, ouvrait la clinique médicale Synergie. Qu'est-ce que la clinique médicale Synergie? Eh bien, c'est une clinique privée, une clinique qui se démarque, ou du moins ce qu'on remarque lorsqu'on s'y rend, c'est qu'on parle de médecine à échelle humaine. L'endroit est petit, sympathique, l'endroit est tout simplement agréable. Et l'un des cofondateurs du projet, eh bien, c'est le docteur Christian Mainville que nous avons été rencontrer justement et qui nous parle des origines du projet et des types de justement de services offerts. Vous allez voir, c'est vraiment, ça fait vraiment changement de l'environnement hospitalier auquel on est habitué. Tout d'abord, bonjour docteur Mainville. Bonjour. Vous êtes donc cofondateur du projet de la clinique Synergie, la clinique médicale Synergie, on va le spécifier quand même. Premièrement, ça fait un an que vous existez. Comment est-ce que les choses se passent à ce jour? Très bien, en fait. On est très heureux du fonctionnement, de la réponse des gens, les commentaires. Ça va très, très bien. D'accord. Et ça, c'est la clinique donc a fêté ses un an tout récemment. Si on retournait un petit peu dans le passé, d'où est venue l'idée et pourquoi cette idée de créer justement la clinique Synergie? En fait, moi, je suis cofondateur de la clinique. Avant de démarrer le projet, ça faisait au moins 6 à 7 ans que je cogitais sur ce projet-là. Puis, c'était un peu dans un but. À l'époque, il y avait une pénurie de médecins de famille à Gaspé. Les temps ont changé, mais c'était dans un but d'optimiser le travail, de prise en charge, favoriser un setup, si on veut, pardonnez-moi l'anglicisme. Favoriser le setup pour un travail en équipe pour augmenter la capacité de prise en charge de la clientèle. Si on veut. Ça, c'est parce que le système plus global de ce qu'on appelle le CIS aujourd'hui, qui était le C3S à l'époque, je crois, vous trouviez que c'était trop quoi, compliqué, que ça ne répondait pas aux besoins de la population? Ben, ce qui était très difficile à obtenir à l'intérieur du CIS, c'est de l'aide à la pratique. Le modèle historique de la médecine familiale se faisait un docteur, un patient, pas d'aide infirmier, alors qu'il y a beaucoup de collectes de données, de suivi qui peut être fait par l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire qui est en aide à la pratique. Donc, à la base, c'était de bâtir une structure qui permettait cette synergie-là justement avec une équipe qui travaille dans le même sens. Et là, présentement, vous en arrivez, bon, au départ, vous êtes parti avec quelques médecins. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez une équipe pas mal plus solide. Oui, on est rendu à 8 médecins à partir du mois de novembre. D'accord. Et les médecins que vous avez, sont affiliés donc à la clinique Synergie, mais est-ce qu'ils continuent de travailler comme... là, on sait qu'il y a il y a 5 CLSC, je pense, dans la région de Gaspé. Il y a un hôpital. Est-ce que ces médecins-là continuent de travailler dans le système? Oui, ces médecins-là travaillent ailleurs dans le système. Certains à l'urgence, d'autres en soins longue durée, d'autres à l'hospitalisation. Et d'autres simplement font des sans-rendez-vous dans des CLSC, d'autres points de service. Donc, on a tous des tâches à l'intérieur du CIS aussi. Donc, ça doit faire des horaires de travail absolument énormes. Oui, mais en même temps, on a une certaine latitude dans la gestion de notre horaire qui rend tout ça là, viable, très viable. Si on regarde donc plus le fonctionnement en tant que tel de la clinique médicale Synergie, parce que les gens se posent évidemment des questions, c'est... Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'on devient membre de la clinique ou comment ça fonctionne exactement? En fait, ça fonctionne un peu comme dans les autres cliniques médicales, si on veut. C'est qu'un patient va avoir son médecin de famille. Donc, il va être inscrit auprès de la RAMQ, auprès de ce médecin-là. Et ça fait en sorte qu'il peut avoir ses rendez-vous de suivi à la clinique chez nous. Par contre, on ouvre aussi des services de dépannage, rendez-vous de dépannage qui est ouvert à toute la communauté, en fait. Ça, est-ce qu'une personne pourrait vous approcher pour avoir un médecin de famille ou est-ce qu'elle doit continuer de passer à travers les méandres du système? Oui, ben en fait, les méandres du système sont rendus de moins en moins complexes parce que notre guichet d'accès à la clientèle orpheline est presque vide. Donc, c'est assez facile d'avoir un médecin en passant par le guichet d'accès, mais un patient peut aussi appeler pour avoir un rendez-vous avec un médecin qui fait encore de la prise en charge lorsqu'il n'est pas pris en charge par un médecin,
Donc, s'il est orphelin et non inscrit au guichet, peut quand même prendre un rendez-vous directement auprès du secrétariat. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, vous approcher en demandant spécifiquement « je veux être suivi par la clinique, par les médecins de la clinique Synergie » Oui. Tout simplement, il suffit simplement de avec qui est-ce qu'on discute à ce moment-là? On a soit le secrétariat ou le site web. D'accord, puis à ce moment-là, il suffit de rentrer en contact avec la clinique puis de faire les arrangements nécessaires. Voilà, mais même via le site web, on peut aller voir dans l'onglet « Je n'ai pas de médecin de famille mm-hmm. »,« Je désire une prise en charge » et puis il va y avoir des forfaits d'offres avec des médecins qui prennent en charge des nouveaux patients. D'accord. Et là, les services qui sont offerts ici sont couverts par la RAMQ? Tout à fait. D'accord. Donc, il n'y a pas de frais autres que... Il y a les mêmes frais non assurés que partout ailleurs dans le GMF. D'ailleurs, on fait partie du GMF, du Grand Gaspé. Par contre, ici, on a quelques services supplémentaires non assurés du type échographie de l'appareil locomoteur, parce qu'on a un médecin, le Dr Faneuf, qui fait la pratique plus de pointe spécialisée en médecine du musculo-squelettique. OK. Puis si justement on regarde les types de services offerts, hein, bon, j'imagine que c'est pas la même chose qu'à l'hôpital. Vous offrez quel type de service? On offre le service de suivi avec un médecin de famille. Pardon. On offre aussi suivi de rendez-vous de dépannage pour toute la clientèle autre. Pas seulement GMF, on peut accueillir parfois même des touristes hors pays. On offre un service de chirurgie mineure pour des petits trucs pas compliqués. Là, par exemple? Comme enlever un grain de beauté, les traitements d'ongles incarnés, traitements de verrues. OK, des petites chirurgies, ouais. D'accord. Ce genre de trucs-là, on offre... Qui ne sont pas nécessairement couverts par la RAMQ? Oui. Oui? Oui, d'accord. Ce sont tous des soins couverts par la RAMQ. OK. On offre des... je vous le disais tantôt, le service de consultation en médecine musculo-squelettique. Mm-hmm. Enfin, grosso modo, j'ai parlé des rendez-vous de dépannage, oui. Donc, grosso modo... Médecine sportive également? Bien, musculo-squelettique, médecine sportive... C'est ce qu'on appelle... OK. Ça couvre la médecine sportive et les problèmes musculo-squelettiques des moins sportifs, si on veut. OK. Et puis, si on regarde, bon, là, on a couvert un peu l'historique, les services que vous offrez actuellement. Est-ce que vous pensez que la clinique Synergie est appelée à se développer davantage ou ce type de prestations de services? Oui, on a quand même des projets sur la planche à dessin. Pour l'instant, nos locaux, on est relativement complet en termes de recrutement de médecins de famille. On n'exclut pas la possibilité d'agrandir éventuellement. Rien de court terme encore, par contre. Mais il y a quand même des services qui sont en voie de développement aussi. Là, on parle de traitement de varices, qui est un volet qu'on voudrait développer aussi à la clinique médicale Synergie. Et là, les services que vous offrez, est-ce que vous êtes lié directement j'imagine que ça doit demander des équipements et autres. Et ça, ces équipements sont... Est-ce que c'est vous qui les vous financez ou est-ce que c'est financé par nos instances gouvernementales? Non, c'est financé par l'équipe de la clinique. D'accord. Et ça, c'est donc au fur et à mesure, ce que vous faites, c'est que vous allez réussir à couvrir vos frais grâce au paiement de la RAMQ pour les services offerts. En fait, nous, les revenus viennent des médecins qui louent les espaces à la clinique médicale. OK. Donc, il y a plusieurs médecins qui, chacun, louent un espace. Voilà. Bon, c'est comme pour un salon de coiffure. Presque. J'ai jamais géré le salon de coiffure. Excusez-moi. C'est un concept super intéressant. Est-ce que là, on est rendu, je pense, à trois cliniques privées dans la région de Gaspé. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir d'autres cliniques qui vont s'ouvrir de pour façon à avoir des climats de travail différents, finalement? Pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon. Puis en même temps, avec le guichet clientèle orpheline vide, ça serait pas nécessairement un bon moment pour ouvrir une quatrième clinique. Donc, je pense pas qu'il y en ait de nouvelles à court terme. Mm-hmm.
Et est-ce qu'on peut penser que la plupart des médecins ou qu'il y a d'autres médecins qui seraient intéressés justement à sortir du un peu du travail uniquement dans les grosses institutions comme l'hôpital? Ben, on l'a vu beaucoup dans les dernières années. Là, beaucoup de médecins de famille se sont dirigés vers la prise en charge. Donc, c'est déjà commencé, je vous dirais. Mm-hmm. Là. Puis, normalement, à Gaspé, on est une région privilégiée, je vous dirais. On a un taux de clientèle sans médecins de famille très, très faible par rapport mm-hmm. au reste de la province. Fait qu'on peut penser que l'exemple de Gaspé est un exemple à suivre ailleurs dans la province? C'est pas impossible que ça devienne... un exemple à suivre éventuellement pour le ministère. Et puis quand on regarde un petit peu plus globalement, bon, on a vu qu'il y a eu beaucoup de centralisation de la part du gouvernement précédent. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer dans cette ligne-là ou est-ce que le système est appelé à évoluer? Honnêtement, je m'avancerai pas dans les projections politiques. Pour ma part, une des raisons de la naissance de cette clinique-là, c'est d'avoir un certain contrôle sur notre environnement de travail, les gens qu'on recrute dans l'équipe. Je prévois me concentrer encore sur notre travail micro-environnement, puis continuer de faire le meilleur travail qu'on peut. Donc, au bout du compte, vous êtes tout à fait satisfait de votre décision? Tout à fait. D'accord. Bien, Dr Merville, merci infiniment. Et puis, on va suivre l'évolution de la clinique. Ça me fait plaisir. Merci à vous.